Salut à tous, moi c'est l'Otaku et j'aimerais te proposer mon challenge qui s'appelle le 9 mois challenge. Tu vas te demander à quoi il consiste le 9 mois challenge. Non. Le 9 mois challenge consiste à changer, que ce soit physiquement, professionnellement ou même tout bêtement. Et voici les deux grandes lignes que j'aimerais vous partager. Tout d'abord, un régime. Car ouais, j'en ai bien besoin. Que ce soit pour moi ou même ma santé. Surtout ma santé, car en ce moment je suis jeune, donc ça va. Mais plus tard, je vais douiller, je pense, quand je serai plus vieux. Ensuite, pour ressembler à mon personnage d'animé de manga préféré, c'est De par ce qu'il représente et pour le symbole de la paix qu'il est, j'aimerais réellement à tout prix le ressembler. Il y aura besoin de faire du travail. Non, non, c'est pas cool cette phrase. Il y a du travail à faire. Et troisièmement, mon cosplay. Seb, passe-moi mon cosplay! Je m'appelle pas Seb. Donc, car mon but aussi est de rentrer là-dedans aux prochaines conventions et que ce soit musclé et pas en mode saucisson, tu vois? Donc, faut absolument que je rentre là-dedans, mais avec un corps d'aplomb. Ouais. Si j'ai appelé aussi ce challenge le 9 mois challenge, c'est pas par hasard, car dans 9 mois, je pars au Japon! Et ça va être trop génial! Ce qui nous amène donc à la deuxième partie, que je vais appeler d'ailleurs Japon, tout simplement. Ici, le challenge, il est légèrement différent. Mon but serait de vous donner envie de Japon, tout court, dans son intégralité. Que ce soit en vous donnant envie de regarder ou de lire des mangas et animés, que ce soit à travers mes mukbangs, et surtout avec l'aide de Seb qui va m'aider à faire des petits montages sur comment bien préparer son voyage, sur ce que je vais faire au Japon, sur les endroits que je vais visiter, et aussi à préparer les petits challenges pour là-bas arriver au Japon. Wow, 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 wow! Mec, mais t'es sûr que t'auras le temps de faire tout ça? Seb, on a une voix off? Bien qu'il entende bien maintenant. Putain, c'est trop bien, mec! L'otaku arrivera-t-il à ses fins? La bouffe et les distractions n'auront-ils pas raison de lui? Vous le saurez au prochain épisode. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère réellement que tu l'as aimée. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à la partager. Je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos. Bye!